Bon, donc je viens de reboucher, mais derrière cette coppelle, il y a de la lave. Je suis pas retrouvé. Ouais, mais apparemment, le système qui peut de lave là, juste là. J'ai le coup de crevice. Bah si, il y avait un bloc là juste derrière, donc là si je croise, il va y avoir. Là, voilà, vous voyez, je lave. Donc, parsemé de lave, je n'étais pas allé plus loin. Donc, on retourne au point de départ. Tiens, c'est où ça? Oh, ben, ça tombe bien. Je vais pouvoir revenir là. N'est pas loin, la lave n'est pas loin, voilà. Nice. Voilà, donc je n'ai vraiment pas de bonne avec la lave. Voilà. J'ai une piscine un peu creusée. Voilà, donc là, ici. Voilà. Ici, là. Ici. La boue. Voilà. Un quatrième. Bon. Moi j'attaque mon quatrième film. Simplement. Ah non, je vais pas vous montrer entièrement quand même. Non, c'est pas possible. Je dois être maudit là. Autant j'avais de la chance avec le diamant, là ma chance est en train de tourner. En train de tourner à l'or. Mais arrête de me donner de l'or, mais pas des vendeurs. Donne-moi tout l'or que tu veux, tu n'arriveras pas à m'acheter. Couvre-moi plutôt de diamants. Voilà, donc je commence à raconter des conneries parce qu'il est quand même à minuit. Je vais devoir arrêter, je pense. Je vais me couper puis vous reprendre plutôt demain. Et après, on est en train de pêcher avec le mauvais matériel. Je vais très mal. Bon. J'ai terminé cet étranger. Ah, enfin, du diamant. Du diamant, du diamant, du diamant. Du diamant. Allez. Tac. Et comme d'habitude, je ne sais absolument pas ce que je vais aller. Donc, je vais terminer ma limite. C'est pas trop tôt pour le diamant. Je vous dis, j'aimerais bien retrouver un stock entier. J'en ai 18 en stock. J'en ai pas sur moi, hein. Je ne l'ai pas retrouvé. J'ai que eu la piste lazuli. Donc ça, je n'irai pas d'ailleurs. Une, deux. Ah ben, je vais pas tomber ici. Les gens sont pas en train d'avoir une minute. Plus en roche. Bon, donc voilà, hein, d'accord, donc là, mes deux sillons vont vraiment se rejoindre, apparemment. Donc, mes sillons, ah oui, donc j'avais bien fait un quatrième sillon, comme ça. Ah ouais, puis j'avais croisé, évidemment, de la norme. Bon, donc voilà, donc je retourne, donc, de l'autre côté de mon... De mon quatrième signe donc. Encore du charbon. Hein. Je crois qu'il y a le charbon. Bon, cet épisode minage ne vous intéressera pas, sans doute. N'hésitez pas à me commenter, je
promis pour le prochain épisode, je fais l'épisode Redstone, je vais le faire sur le serveur, pour être tranquille. En attendant, j'essaie de me refaire en fait. Et je vous montre que je ne chiffre pas en solo. Je vais éviter le spawn. Voilà. Donc je ne quitte pas le mode easy. Alors, pour vous montrer, il y a bien des mobs. J'ignore donc s'il y a des mobs disparatifs ou des mobs méchants. Mais il y a bien des mobs. Hein. Excusez-moi, je recoupe. Donc voilà, pour la énième fois, je suis encore tombé sur de la lave. Que je pense en fait que je vais surplomber, tout simplement. Voilà, je vais passer par-dessus, tout simplement. Voilà, là donc, je vais reprendre un niveau. Ça peut être possible. Ah si, en bloquant en fait. Voilà, dégage. Un encore, bien appuyé. Bon. Voilà, donc je disais, hein, je récupère le niveau 6. Pas loin, mais je vais continuer à creuser. Bon, prends mes précautions et je continue à creuser. Ça, je sens le fail. Non. Ok, bon, je continue. Voilà, donc je suis encore bloqué. Donc ce sera le dernier épisode de minage, hein, donc quand je dirai faire du minage optimisé, je vous le dirai, mais j'arrête d'en filmer, c'est promis, parce que de toute façon, ben, ça va plus vous énerver qu'autre chose. Donc voilà. J'arrête mes vidéos l'optimiser. Je le referai peut-être si jamais j'attaque un second étage juste au-dessus. Mais ça m'étonnerait beaucoup. Ça je vais vous montrer quand même, juste un étage. Mais c'est vraiment trop pour rien. Je vais vous expliquer le principe. Ah voilà, donc je vais arrêter. Bon ben, je vais vous expliquer le minage optimisé. Enfin, le minage optimisé. Mais sur deux étages. Donc, comment dire, donc le principe est simple, donc il est le même, hein, donc une galerie toutes les deux cases. Mais voilà. Donc vous voyez ma galerie est ici. Donc je viens. Donc voilà comme ça ici. Comme une petite bêtise. Donc normalement les gens comme ça ils prennent la galerie juste au dessus, deux cases au dessus en fait, comme ça. Bon bah dans cette galerie là vous voyez ces blocs là ici là, donc de la couche couche 5, couche 6, couche 7, couche 8, donc tous les murs de la couche 8, en creusant deux cases au dessus, donc la couche 10 se permet de remplir sa couche 9 à vos pieds. Oui, mais là, vous avez raté les blocs, les 4 blocs qui sont là. Oh, c'est ça. À la carrière, vous avez raté les 4 blocs qui sont là. Donc, moi, je recommande plutôt, c'est de décaler d'un. Donc, ça veut dire que je vais commencer. Bien sûr, là, il y a de la redstone. Bon, ça ne fait rien. Voilà, décalage d'un. Ça vous permettra au moins, donc, d'avoir tout cela. Et bah, en fait de combler en fait le manque de 4 il y a là. Vous allez perdre que cette ligne là, cette ligne là de ressources, mais bon
ce n'est qu'une case et ça évitera donc les pertes. Vous allez repérer, les ressources sont souvent en grappe, donc ça permet de miser déjà, parce que avec le minage qu'utilisent les autres personnes, vous perdez 4 cases, alors qu'avec celui-là, vous n'en perdez que une, vous en perdez que vous en perdez 2 en fait. Ouais, vous en perdez la moitié moins. Donc voilà. Donc je vous conseille donc une galerie d'équerre. Tout simplement. Voilà. Donc ici, je crois par exemple, donc là. Donc deux cases. Donc je vais commencer à traiter ici. Une galerie commencera ici. Donc pareil, pour monter, il faut que des marches. Voilà, donc évidemment par contre moi, je me suis fait honnête, comme on dit. Voilà, et je vais commencer à creuser quelque chose. Donc avec un décalage d'une case. Voilà, donc ça c'est de l'optimisation. Et donc à chaque fois que vous montez d'un étage, vous décalez d'un. Alors d'un soit sur la gauche, soit sur la droite, ça n'a aucune importance. C'est le principe de base du minage optimisé. Donc ça vous permet de récupérer jusqu'à, ben c'est simple, hein. Simple à calculer. Et déjà, presque 75%, ben ça vous permet d'analyser 75% des blocs environ. Alors je pense, ouais, mais plus que ça, je suis sûr. Bref, un très gros pourcentage des cases possibles. Je referai un calcul précis pour ce genre d'optimisation, parce que je sais que si vous mettez les galeries l'une sur l'autre sans le décalage d'un, donc vous allez récupérer qu'environ 66% des blocs. Vous allez avoir une perte de 4 cases à chaque fois. Voilà. Bon, donc ça c'était mon conseil. Donc la suite va se passer dans le serveur. Je vais donc commencer mon tutoriel sur la redstone. Donc je vais remonter parce que de toute façon non, je reste en bas parce que j'ai encore du fer qui est en fonte. Bon, mais de toute façon, je vais rester ici, je ne joue pas pendant que je ne filme pas. Je filme absolument tout, ou alors voilà, je recoupe les moments les moins intéressants du minage. D'ailleurs là, j'arrête de filmer le minage, c'est fini. Vous avez compris le truc, hein, il me semble, donc j'ai fait 4 galeries. Vous pouvez en faire à l'infini, étant donné que la carte est pratiquement infinie. La carte s'arrête uniquement quand votre disque dur est saturé. Donc voilà, si vous saturez votre disque dur, bah, de toute façon vous ne pourrez même plus jouer. Voilà, voilà, voilà. Bon bah je vais mettre au niveau intermédiaire et on se rejoint donc sur le serveur.